Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rejoindre les parties personnalisées. Alors, pour rejoindre une partie personnalisée, c'est très simple. Vous allez dans Jouer et là vous allez devoir appuyer sur carré. Ensuite, vous appuyez sur L2 et ensuite vous tapez le code. Par exemple, moi je fais tout le temps des codes Soikoolo 7 ou Soikoolo 8, Soikoolo 9, etc. Donc là, je vais taper Soikoolo 8. Ensuite, vous appuyez carré pour accepter et ensuite vous choisissez le mode que moi j'aurais au préalable choisi. Donc si j'ai choisi solo, ben vous choisissez solo. Ensuite vous attendez que moi j'aille appuyer sur prêt dans mon live pour vous que vous mettiez prêt. Donc voilà, vous mettez prêt. Si maintenant le code ne fonctionne pas et qu'il met oups, ça n'a pas fonctionné, oups, il y a eu un problème, tic tac, c'est pas grave. Là vous allez devoir recommencer. Donc pour recommencer, vous allez appuyer sur carré, vous allez appuyer sur L2, vous allez changer le code. Donc par exemple, vous allez tout supprimer et vous allez mettre par exemple T ou n'importe quelle lettre ou n'importe quel chiffre. Vous allez accepter, vous allez choisir solo et là vous réappuyez sur carré, vous réappuyez sur L2 et vous changez le code et vous remettez Soikoolo 8, ok? Il faut absolument faire cette petite manipulation pour que ça fonctionne bien. Ensuite, vous mettez accepter, ok? Donc là, vous choisissez le mode solo, duo, section, le mode que j'aurais choisi. Donc là, on va mettre solo. Et là, vous attendez que je mette prêt dans mon live. Quand moi, je suis prêt sur mon live, vous mettez prêt et normalement, ça va fonctionner. Alors, pour enlever un code, donc c'est normal que ça ne marche pas, hein, parce que il y a personne qui a mis ce code-là et je ne suis pas en live. Donc voilà. Alors, si maintenant, vous voulez enlever le code, eh ben, vous allez faire pareil. Vous allez appuyer sur carré, L2, vous allez mettre n'importe quel chiffre ou lettre, vous acceptez. Vous choisissez solo, vous appuyez sur carré, vous réappuyez sur L2 et là vous supprimez, vous appuyez sur R2 pour accepter, confirmer et puis vous appuyez sur carré pour accepter. Et là vous choisissez solo par exemple et là normalement quand vous allez appuyer sur L2, il n'y aura plus le code. En fait si vous faites toutes ces manipulations, c'est pour être sûr que le code soit valide ou alors soit que le code soit supprimé. Parce que si vous retapez le code et vous retapez le code et vous retapez le code, il y a beaucoup de personnes dans mon live qui me disent ça ne fonctionne pas et tic tac, comment on doit faire. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et normalement, si vous faites vraiment toutes les étapes dans le sens que je vous ai dit, ben ça devrait fonctionner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo mec et ciao. Peace.